rapport de police. Avec Jacques Chevalier Longueuil dans le rôle de l'agent Boswell. Et Bob Binette dans le rôle de l'agent EC. Rapport de police, agent Boswell et EC. Rien à signaler. Ah ben, t'as-tu vu ça? Qu'est-ce qu'on fait? On appelle-tu du renfort? Non, on te rentre avec nos troubles. Ah ouais? Puis on va se faire un beau 30 piastres. On speed ça, notier. Ouais. Attendez, ma mère, on rentre. Wow, on est motant, tu vois, de tuer pas pris, là. Ah, on prend le temps de dire bonjour, monsieur l'agent. Bonjour, monsieur l'agent. Comme vous êtes bien habillé aujourd'hui. Ah, qu'est-ce qu'il y a, là? C'est mon char qui est là. Ouais, nous autres, c'est le blanc avec une cerise sur le top, puis on t'écœure pas avec ça. T'en as pas de ticket, hein? Non, donnera pas de ticket à Noël de le vendre, tu vois, bon. Ah bon, on est arrivé juste à temps. Right. Mais quand il donne un ticket de combien? Débarquement, t'es 30 piastres. Résistance aux policiers, 50. De cravatelette, 60. Pour un total de... De 50, de 50 $. Bon, encore un autre client satisfait. Ben, tiens. Dépassez pas tout de rasseoir, là. OK, y'a aucun problème, de pas de panique. C'était juste l'étiquette, tout le monde. C'était juste l'étiquette qu'on a donné. Pas de panique, tout le monde rentre chez eux. Que personne ne s'excite, les femmes non plus, puis les enfants d'abord. Ah-ha! Ta femme, ta gueule, hein? Putain, mon écœurant! Qu'est-ce que tu fais là? T'es diamant, t'es chien, ça? Il va te mettre deux tickets. Puis en plus, t'as deux tickets pour le show de Nathalie Simard. Tiens, En tout cas, ça, c'est un citoyen, là, qui pourra jamais se plaindre quand il a jamais rien donné, quand même. Mais là! Hey, Gaston! Gaston, t'oublies ton sac! Gaston! Gaston! Oh! Le criminel, je t'en prie. OK, d'abord. Mon héros! Tiens, d'embrasse-toi. Oui. Deux policiers abattent un homme en faisant l'amour dans la rue. La police doit s'expliquer. Comment vous expliquer qu'un de vos policiers tue un homme dans ces circonstances-là? Tavernouche, vous avez des drôles de questions, hein, vous autres. Écoutez, dans l'exercice de ses fonctions, un policier a droit à la détente. Et cette fois-ci, je pense qu'il a un peu trop appuyé dessus, la détente. Alors, de toute façon, c'était une balle perdue. Donc, une de perdue, 10 de retrouvée. Imaginez l'argent qu'on vient de sauver aux contribuables. Je pense qu'on a de quoi être fier de la police, hein?